to action in the Phantom Wing. Une position allemande, française. Il a bien mon adversaire. Non, mais trêve de plaisanterie, je suis content d'être mené l'homme et content d'être là ce soir pour faire le spectacle. C'est un combat qui va faire des étincelles, c'est un combat qui plaît. Et pour ceux qui suivent un peu le MMA depuis longtemps, c'est un combat que les gens ont envie de voir. Tout est réuni pour que ce soit un bon combat. Uppercut!
30-27 in favor of your own winner by unanimous decision, Mikael micro tout de suite, le show continue. Déjà, à tous, je remercie Karl. Un combat, ça serait à deux, et je savais que ce combat serait épique. Karl, c'est un grand combattant, et maintenant je l'avoue, quand j'ai signé à l'UFC, il était peut-être meilleur que moi, mais ils savaient que dans l'avenir, j'allais le dépasser. Ils ont juste misé sur l'avenir. Mais Karl, à l'entraînement, il m'a fait la misère. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer que j'étais plus le même. Merci Karl. Chose. La deuxième chose, mettez un peu de respect sur mon nom, les gars. C'est vrai que le RS, ils ont pas fait le taf. Au départ, ils ont mis une photo de moi, on dirait que j'avais 50 ans, pas d'abdos et tout. Mais les gars, ceux qui ont suivi mon parcours savaient que ce soir j'allais répondre présent. J'ai combattu en Russie, au M1, au Cage Warrior, à l'UFC, j'ai combattu partout, j'ai jamais sourcillé, j'ai fait le travail. Effectivement, j'ai connu des défaites, mais je suis toujours revenu. Ce soir, je voulais finir avant tout pour gagner le bonus. Wow, peut-être la performance d'un soirée, je sais pas. Si je mets une petite caresse dans le sens du poil. À Fernand et Benjamin, on sait jamais. Cyril, je sais qu'il peut m'appuyer, il m'aime bien. Même si j'ai été pro Ngannou, je sais que tu m'aimes bien. Toi, les gars. Retour d'Arès 10, ça y est, on est dans la voiture, le show est fini, c'était un vrai show. Première fois que je vois un combat de MMA en vrai, ambiance de fou. Franchement, il y a des moyens de malade, on voit pas la télé, mais il y a des moyens de fou. Grande salle, la sono, les lumières, le show il est énervé. Que des beaux combats, il y a de la rosta partout, c'est n'importe quoi. Il y a les combattants d'Arès, ils sont dans le public normal, ils se prennent pas la tête. Et là, ce main event, Mikael Lebout, Karl Amoussou, ça fait 2 mois qu'il nous ponce le cerveau. Je vais t'éteindre, non, c'est moi qui vais t'éteindre, je suis chaud, t'étais nul à l'époque, moi je suis allé à l'UFC, toi t'y étais pas. Une vraie guerre. Bon, Karl, au début, il voulait que aller au sol, on s'est dit, oh là là, la migraine. Ensuite, ils sont restés debout, ils ont fait une vraie guerre. On entendait les clac, clac, les high kicks, front kick, les pêches. Ça vacillait un petit peu du côté de Karl. Ça se remettait en place. À la fin, Mika, il a réussi à se mettre dessus. Pa, pa, pa. Et Mikael Lebout, il a remporté le combat. Hein. Du coup, petite guerre gentille, terminée. Je sais pas ce qu'ils feront, les deux combats. Les deux combattants, je sais pas s'ils arrêteront, s'ils reprendront. En tout cas, c'était un gros combat. Dommage, il manquait deux petits rounds pour avoir un petit KO, je pense. En tout cas, grosse soirée, prochaine Arès en 2023, janvier. Je crois que je vais y aller, c'est la folie. C'est la folie! Oh, oh là là, bam! Oh là 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 là, bam! Bam, bam! Oh là là, incroyable. Allez, je m'arrête là, on rentre.